Bonjour, bienvenue à la Maison de la Poésie. Nous voilà de retour à la fois en présentiel, comme on dit désormais, à la Maison de la Poésie. Merci d'être venu, merci d'avoir pris sur votre dimanche. Et nous sommes aussi en direct et en différé sur les réseaux, donc sur les Facebook et les chaînes YouTube de la Maison de la Poésie et d'Arte Radio. Comme ça, vous pouvez profiter des goûters d'écoute sans être obligé d'habiter à Paris. Merci donc d'être là. Je suis Sylvain Gire, je suis le responsable d'Arte Radio. Nous produisons depuis 2002 des podcasts, c'est-à-dire en fait des reportages, des documentaires ou des fictions sonores. L'écoute du podcast, c'est une écoute intime, souvent solitaire, immersive. Et c'est pourquoi, à côté de cette écoute de podcast, Arte Radio favorise des séances d'écoute publique. Et le mot public prend tout son sens aujourd'hui puisque nous avons un thème, c'est les rapporteuses. Je vous présente donc Marine Vlahovic et Seyam Boutata, et qui abordent à travers leur podcast des thèmes vraiment d'intérêt général, des thèmes qui sont extrêmement présents dans l'information et dans le débat public. Dans le cas de Marine Vlahovic, on va parler de la fabrique de l'information au cœur du conflit israélo-palestinien. Et avec Seyam Boutata, son podcast parle de la culture, de mode de vie des garçons dans les cités populaires. Donc nous allons écouter, je voudrais peut-être d'abord qu'on se présente, qu'on fasse un petit point sur qui nous sommes les uns et les autres. Et bien entendu, vous serez invités à poser vos questions ici dans la salle et sur les réseaux. Et ces questions me seront retransmises par Sarah Monimard, qui est chargée de production à Arte Radio. Si, je pense que si tout est clair, on y va. Marine Vlahovic, tu es journaliste. Oui, je suis journaliste. Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, tu as été donc pendant 3 ans, de 2016 à 2019, tu étais la correspondante en Palestine, à Ramallah plus exactement, pour des radios publiques francophones, donc françaises mais aussi suisses. En quoi consiste le travail d'une correspondante en Palestine? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Qu'est-ce que tu produis quotidiennement et à quel prix? À quel prix? C'est une bonne question. Le travail de correspondant qui s'exerce partout dans le monde, hein, finalement, c'est toujours c'est le même. Hein, c'est la couverture de l'actualité au quotidien d'un pays ou d'une région avec un statut bien particulier, puisque énormément de correspondants, en fait, enfin, la très grande majorité, sont pigistes, donc payés à la tâche, et sont des précaires. Et c'était ton cas? C'était, par exemple, mon cas, comme je le raconte dans ce podcast, et c'était important pour moi de le souligner, puisque le public ne sait pas dans quelles conditions travaillent les journalistes qu'ils peuvent entendre ou lire ou regarder. Et le travail de l'actualité, c'est compliqué, puisque l'actualité ne s'arrête jamais, elle est toujours en continu. Et ce qu'on me demandait, c'était d'être présente à des moments très particuliers, à chaud. Et moi, de mon côté, en raison des conditions précaires dans lesquelles je travaillais, je devais aussi être présente et donc sans cesse finalement travailler. Voilà. Produire. Et parce que j'étais pas défrayée, parce que j'avais énormément de frais sur place et tout était à ma charge. Et j'ai pas cessé de travailler pendant ces années où j'étais sur place, à mon grand regret, parce que je travaillais très vite et trop mal à mon goût. Voilà quelque chose que les journalistes disent rarement. Donc le podcast de Marine Vlahovic, c'est Carnet de correspondante. C'est 5 épisodes d'environ 20 minutes. Ils sont déjà tous en ligne sur le site d'Arte Radio et sur tous les distributeurs de podcasts. Donc vous pourrez les écouter. Et c'est vraiment une révélation. C'est un podcast exceptionnel. Je crois que ça n'a jamais été fait à ce niveau-là, qui donne à entendre la fabrique de l'information. Comment ça se passe? Quels sont les tiraillements, les choix, mais aussi... C'est un podcast à la première personne qui évoque la vie quotidienne de Marine Vlahovic dans les territoires occupés palestiniens. On écoutera un épisode tout à l'heure. Seyam Boutata, de ton côté, c'est un travail qu'on pourrait aussi qualifier de personnel, même si on ne t'entend pas. Tu es retourné pour ton podcast qui s'appelle « La cité des hommes »,
9 épisodes de 10 minutes qui seront diffusés, cela en juillet sur Arte Radio, à partir du 7 juillet. On ne t'entend pas et pourtant c'est une part de ton histoire. Comment vois-tu cette démarche dans ce podcast ? Alors, oui, bonjour à toutes, à tous. Je suis retournée donc, dans la cité où j'ai grandi, de mon enfance, où j'ai passé 15 ans, de mes 6 ans à mes 21 ans. Et j'ai décidé de donner la parole aux garçons de cette cité, qui sont des hommes aujourd'hui, et qui me racontent ce qu'ils ont vécu dans la cité. Parce que même si on a grandi ensemble dans la même cité, on n'a pas le même vécu. Et c'est ce qui m'a intéressée, donc c'est vraiment d'interroger la masculinité de ce territoire qu'est la cité. Donc là, une cité parisienne dans le 20e arrondissement, donc dans l'Est parisien. On écoutera tout à l'heure un épisode. Donc vous voyez que on reproche souvent au podcast de travailler essentiellement à la première personne, donc d'être un média qui a beaucoup de succès pour parler des questions d'intimité, des questions de genre, des questions de sexualité, des questions d'identité. On va voir aujourd'hui avec ces deux exemples que le podcast, ça ne veut rien dire et que les podcasts peuvent aussi aborder des questions cruciales. Et dans un sens, et ça va être un peu l'enjeu de notre conversation aujourd'hui, fabriquer de l'information, nous renseigner sur le réel, essayer d'imaginer, et vous le faites chacune à votre façon, même si elle est très diverse, de nouveaux récits pour rendre compte du réel. On va commencer avec Carnet de correspondante de Marine Vlahovic. Donc pour vous situer, 5 épisodes de 20 minutes. À la fin du 2e épisode, il se passe quelque chose dans l'actualité qui mobilise toutes les rédactions. C'est la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. L'épisode 2 se finissait là-dessus. Je vous propose d'écouter l'épisode 3, La guerre promise. Donc c'est un podcast entièrement texte, voix, montage et toutes les prises de son ont été faites par Marine Vlahovic. Ce sont ces prises de son à la fois professionnelles pour les radios publiques qui ne sont pas citées mais que vous reconnaîtrez, ce sont les nôtres, et ces prises de son personnelles de sa vie en Palestine. L'épisode 3 s'appelle La guerre promise. Il dure 23 minutes et il est réalisé avec Arnaud Forest. À tout de suite. Un an à peine après mon installation à Ramallah, Donald Trump a fait des siennes. Donald Trump a déclenché la colère des Palestiniens et fragilise un peu plus les perspectives de paix dans la région. Et cette actualité est passée au second plan. En France, les hommages nombreux et unanimes se sont succédés toute la journée d'hier pour saluer la mémoire de Johnny Hallyday. Mais les envoyés spéciaux ont débarqué en prévision du grand embrasement. What is the feeling about people here? This will carry on. Oui, ils sont plus d'un millier de manifestants à être descendus dans les rues de Ramallah. Après quelques jours de chauffe, la vague de colère annoncée est retombée comme un soufflet. Les médias français, eux, sont restés scotchés sur Johnny. Carnet de correspondante. Un podcast de Marine Vlahovic, produit par Arte Radio. 3e épisode, La guerre promise. Pendant 3 ans, je n'ai pas vu l'ombre de la 3e intifada, mais des étincelles, des flambées de violence. C'est mon fonds de commerce. Il n'y a plus que ça qui intéresse vraiment les rédacs. Les soldats envahissent le centre-ville de la plus grande agglomération de Cisjordanie et lancent plusieurs assauts sur les manifestants. Certains invoquent des prières. Les manifestations ou les clashs entre les Palestiniens et l'armée israélienne obéissent à la règle des 3 unités. Unité d'action. Des manifestants, le visage recouvert d'un keffieh, frondes, pierres et drapeaux à la main, font face à des soldats surarmés qui balancent des gaz lacrymogènes, des grenades explosives et tirent parfois à balles réelles en Cisjordanie ou à Jérusalem. Oh putain ! À la frontière de Gaza, c'est automatique.
unité de lieu. Les checkpoints de Cisjordanie. Comment il s'appelle ce checkpoint ? Les portes de la vieille ville de Jérusalem. Ou la ligne de séparation à Gaza. Unité de temps. Le vendredi, après la grande prière. Ça dure quelques heures avant la grande dispersion. À coups d'eau qui sent le putois dans le meilleur des cas. On est resté trop longtemps. Hein ? T'as pas l'impression ? Non, mais j'ai l'impression que en fait, du coup, ça s'est imprégné sur moi. Ça s'imprègne sur toi ? Il y a bien sûr des variantes. Et c'est un drame bien réel, pas une pièce de théâtre. Can I stay with you ? Yalla, yalla, we stay together, all together. If not, they will pick us, one by one. Par lassitude, par crainte aussi, ces manifestations mobilisent de moins en moins. Ça n'empêche pas les rédactions de s'emballer en période de tension. Moi aussi, je suis fébrile. Je saute surtout sur l'occasion pour qu'on parle de ma région. Ça, c'est ce que vous pouvez entendre à l'antenne. Mais en quelques secondes, les gardes frontières dispersent violemment la foule. Des heurts éclatent en contrebas. Les fidèles promettent de revenir encore aujourd'hui aux abords du lieu saint. Mais en vérité, on passe de longues heures à faire le pied de grue. À prendre des selfies avec le combo gilet pare-balles, casque et masque à gaz. C'est hyper lourd, putain, les gilets pare-balles. On mise sur l'ambiance du jour. On, ce sont les journalistes étrangers, rassemblés en troupeau. On était au zoo, en fait. J'en fais partie. Mais je ne suis pas à l'aise et j'essaye de garder mes distances. En revanche, je ne quitte pas mes confrères palestiniens d'une semelle. I come with you because I know that I am safe with you. Ce qu'on attend, Je te préviendrai dès que ça, si ça pète et dès que ça pète, je te préviendrai. C'est que ça pète, sous les demandes pressantes des rédactions. Et évidemment, ça pète. Et puis le rideau tombe. On remballe les gilets pare-balles avec d'autres préoccupations en tête. Tu penses que c'est fini ? Oui. Mais toujours avec l'impression d'avoir fait chou blanc. Parce que ce que veut la meute des journalistes, c'est que ça pète, mais vraiment. Un grand conflit armé, avec son lot de roquettes, de bombardements, de tanks et de sang. La guerre promise arrivera bientôt, on le sent. Sûrement pendant l'été. Non, finalement, peut-être à l'automne. Voilà pour les pronostics. Mais cette nouvelle guerre, elle tarde à éclater. Alors en attendant... Alors on danse ? Alors on danse ! On fait la fête et on boit. N'imaginez pas que c'est la bamboche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais j'en ai besoin après d'intenses sessions de travail ou tout simplement pour garder le cap. J'aurais fini de bosser vers 9h et j'ai très très envie d'aller boire des coups. Ramallah, c'est une petite bulle festive et les bars ne manquent pas. Tu viens faire la teuf à Ramallah ce soir ? Kifak ? I need to drink. I'm sorry, I need to drink. Okay. D'abord, garage. C'est mon QG et celui des hipsters locaux et occidentaux. Tout le monde ici se ressemble. À l'œil, on ne sait jamais si on est en Europe ou au Moyen-Orient. Il y a aussi la boîte radio, la bien nommée, et ses soirées électro. Le snowbar avec son jardin-piscine et ses banquettes où on s'affale comme des pachas. Et Berlin à Ramallah pour ses afters ponctués de visites surprises de la police palestinienne. Officiellement, tout ferme à minuit. Alors, on éteint la musique et on chante.
en attendant que les flics s'éloignent. Les soirées défilent, tout comme mes amants. Des histoires sans grand succès d'un côté comme de l'autre du mur. Parce que je n'ai aucune envie d'être ligotée à ce conflit. Ils sont très différents les uns des autres, mais ils ont tous la même manie. À l'instant où ils arrivent dans ma maison frigo de Ramallah, ils prennent soin de fermer les rideaux pour éviter d'être repérés par les voisins. De toute façon, je finis toujours par m'embrouiller avec eux et je les oublie vite. Marine... Non. Celui-là, quand je l'ai réécouté, voilà, you are a lovely person. J'ai été incapable de l'identifier. Le moment critique, c'est le retour. Donc là, route with no light, complètement dark. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Au volant de ma voiture pourrie, ça n'a rien d'évident. À cause des raids de l'armée israélienne. Quand elle fait une descente, la police palestinienne s'évapore. Il a toujours un petit peu de mal. Ah oui, non, mais. Bah, c'est un peu chiant si tu dois partir en vitesse, tu vois. Ah oui. C'est par exemple, l'armée te dit pars, et toi t'es là. C'est alors le... attends, j'ai mon code. 1, 2, 3, 4. Une nuit, ou plutôt une aube, il est 4h du matin, j'embarque un ami pour un after chez moi. Je suis vraiment éméchée. Et on tombe nez à nez avec une patrouille en pleine opération. Le soldat israélien pointe son fusil sur nous en tremblant. Son arme est presque aussi grande que lui. Mon pote panique, pour cause, il est palestinien. Le soldat hurle je ne sais quoi, de faire demi-tour sans doute. Mais je suis coincée. Si j'avance de quelques centimètres pour manœuvrer, c'est sûr, il va penser que je l'attaque et il va tirer. Mon ami s'époumonne, les mains en l'air. « Don't shoot !» Moi, je m'agite pour mettre ma carte de presse sous les yeux exorbités du soldat. Il s'affole tellement que je me dis « Ok, c'est bon, je vais y passer. » Vous imaginez ma nécrologie ? Marine Vlaovic rentrait d'une soirée arrosée à Ramallah. On n'osera pas donner mon nom à une promo d'une école de journalisme. Finalement, une voiture déboule, détourne son attention et nous sauve la mise. Un incident de parcours vite oublié, noyé dans le flot de la fête. C'est jeudi. Non, il y a une fête électro organisée dans le jardin d'une église ce soir. Je vais absolument y aller. Les festivals en Cisjordanie, au pied de bases militaires. Les soirées Arabs Do It Better à Tel Aviv. Où les jeunes Israéliens, en grande majorité des soldats ou des anciens soldats, se tortillent sur de l'électro oriental sous MD. Ils viennent aussi s'encanailler à Ramallah. Tonight we will dance. Ah, les lumières de la ville, Tel Aviv. Il y a aussi les nuits dans les bars gays de Jérusalem, pile en face d'un centre d'interrogatoire pour les détenus palestiniens. Et pour cultiver l'entre-soi, il y a les anniversaires et les soirées d'adieu du cercle fermé des expatriés. C'est the place to be, mais je m'en tiens éloignée. Ces fêtes privées commencent en mode distingué. Ambiance cocktail chez l'ambassadeur. Et se finissent sur la piste en chenille. Ou en démonstration de cours de Zumba par des épouses désœuvrées. Oui, ici comme partout, c'est souvent monsieur qui est en poste. Elle a flan. Mni. Gelfaramsi. C'était une bonne fête. Une bonne fête. Une bonne. And now we will talk about something else. Se dirige-t-on vers un nouveau conflit dans la bande de Gaza alors que les efforts sont déployés depuis des semaines maintenant par l'Égypte ? Parce qu'elle a beau être à des années-lumière de cet univers déconnecté, la bande de Gaza se rappelle toujours à nous, surtout le week-end.
Oui, ça va. Non, ça va. On s'habitue, c'est un petit Gaza, de... dans la Bible du journaliste au Proche-Orient, c'est la terre de la guerre promise. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. La bombe à retardement qui finira bien par exploser. Gaza, prison à ciel ouvert depuis 11 ans, où les Gazaouis désespèrent ces derniers temps. Le nombre de suicides s'envole, nous dira Marina Vlahovic. D'accord, je te fais ça dans les temps. Ça marche, 1 minute 15. Ça roule. Oui, tout va bien, quoi. J'ai la gueule de bois, tout va bien. Une prison à ciel ouvert. C'est la métaphore bateau utilisée. 5, 5, 5, 5, 5. Une centaine de roquettes et de tirs de mortier ont été tirés depuis la bande de Gaza. C'est un bras de fer à coups de roquettes et de raids aériens qui... J'aimerais changer de registre, mais il n'y a pas vraiment d'autre terme pour la désigner. Plus de 2 millions de Palestiniens y vivent dans 360 km², les uns sur les autres, sous blocus israélien, avec un verrouillage égyptien, et sans beaucoup d'espoir d'en sortir, sauf via son téléphone ou son écran. C'est sans doute l'un des derniers endroits au monde où une génération entière ne s'éloigne pas de son lieu de naissance et reste coincée dans un rectangle de terre minuscule. Il faut à peine 20 minutes en voiture pour traverser l'enclave d'est en ouest, une heure tout au plus du nord au sud. Et ça fait plus de 15 ans qu'ils sont confinés. Alors, aller à Gaza, pour moi, c'est un peu comme se rendre au parloir. Un parloir accessible au bon vouloir d'Israël. Bon, il y a les soldats qui ne veulent pas nous laisser rentrer à l'entrée des Rez. On va passer 10 000 coups de fil, ils vont monter leur tente, on va s'en sortir. On vous tient au courant. I want to just to make sure about the opening of the Gaza border. Okay, in what matter? What do you mean? Like Erez is open today, but until what time to enter to Gaza? Quand la voie est libre, je fais la route les yeux fermés. Je laisse ma voiture sur un grand parking pour traverser Erez à pied. C'est un checkpoint qui veut ressembler à un terminal d'aéroport. En fait, c'est un immense hangar désert et endormi. Hello. I am at Erez. Okay, great. So, see you within 30 minutes, I think. Dans des cabines en verre, des gardiennes, toujours les mêmes, chewing-gum à la bouche et vernis flashy sur les ongles, vérifient ma carte de presse israélienne. C'est celle avec ses ongles. Mon sésame pour Gaza. Marine? Yes. For how long you going to stay there? Until Tuesday. Puis, il y a le dédale bardé de caméras et de tourniquets. Thanks. Par contre, moi, ça va pas le faire. Je mets d'abord le gilet pare-balles. Mm-hmm. J'y crois qu'on est vivant. Et un couloir grillagé d'un kilomètre de long au milieu d'un no man's land. Vient le tour des checkpoints palestiniens. Le Ramsey-Ramsey, le 5-5. C'est celui de l'autorité palestinienne, qu'on passe juste pour la forme, parce qu'elle ne contrôle plus rien ici depuis des années. Ok, tu viens nous chercher directement à Ramsey-Ramsey? Non, tu peux plus, ouais. D'accord, dis-nous quand t'arrives à Arba-Arba. Et celui du Hamas, le Arba-Arba, le 4-4, carrément plus impressionnant. Des agents qui ressemblent aux ogres des contes pour enfants sont entassés dans des préfabriqués. Là, il faut faire profil bas. Où vas-tu dormir? Quel sujet tu comptes tourner? Qui vas-tu rencontrer? On a droit à un interrogatoire complet. Paranoïa oblige, les étrangers sont tous des espions potentiels. Je suis contente d'être à Gaza. Mais c'est fou, hein, t'as vu quand même l'interrogatoire, hein. Les journalistes étrangers sont ultra encadrés. Impossible d'y rentrer sans un permis et un fixeur. Un journaliste local qui fait office d'interprète pour 200 à 250 dollars la journée. Hey, ouais. C'est l'équivalent d'un mois de salaire moyen pour les Gazaouis qui ont la chance de trouver du travail. Parce qu'ici, le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde. En général, un fixeur, c'est un guide indispensable. À Gaza, c'est aussi un chaperon qui ne nous lâche pas d'une semelle.
Alors, on nous trimballe de bureau en bureau, d'interview en interview, parfois assommante. Le plus drôle, c'est quand même qu'on dormait tous les deux, quoi. Ah. Dans une voiture avec chauffeur. Certains fixeurs ont peur de leur ombre. Et une fois la journée de travail achevée, ils nous déposent à l'hôtel avec interdiction formelle d'en sortir. Il y a de quoi être frustré si on s'en tient à ça. Gaza, c'est chiant. On ne peut rien faire. Dixit, le correspondant d'une chaîne française basée à Jérusalem. Une caricature du reporter qui bombe le torse sous sa veste multipoche. Du genre qui fanfaronne en glosant sur la guerre qui vient, avec toujours un verre à la main. Il est allé une fois à Gaza, avec l'idée de filmer dans la journée un tunnel de contrebande du Hamas. Rapper, ça demande un peu plus de préparation que ça. Résultat, il n'y est jamais retourné. Il faudrait juste qu'il aille dehors tout à l'heure et qu'il vienne voir sa mère et c'est tout. On enlève les sacs et on enlève tout. Alors je le remplace et je découvre Gaza, en entamant une brève mais impitoyable carrière de journaliste télé au sein d'une équipe obsédée par les images. Non, non, il faut qu'on fasse une image de quelqu'un qui vient la voir. Des pros de la mise en scène. Qui s'arrange avec la réalité de l'instant. Par exemple, lorsqu'on doit interviewer une famille pour parler de la pénurie chronique d'électricité, l'électricité vient de revenir. Mais que la maison est illuminée. Non, c'est pas pareil, c'est LED. C'est quelque chose de patrie. Ah, t'as mal. Les interviews sont bâclées. Donc, trois questions. Deux, trois questions, pas plus. Trois questions. Avec des plans de coupe prétexte. Il faudrait qu'elle redébranche et qu'elle rebranche en nous expliquant ce qu'elle nous expliquait. Ah, okay. D'accord. Voilà, elle fait plaisir à le montrer et tout cela pour eux. Allez, tomber, on part. Ok, d'accord, ça marche. Des tournages express chez des gens démunis qu'on ne prend même pas la peine de connaître. Dans la bande de Gaza, on les appelle les combattants de la résistance. Les brigades armées nous mâchent le travail. Question mise en scène, ce sont des champions. Il nous aura fallu plusieurs semaines pour rencontrer ces miliciens qui prônent la lutte armée contre Israël et jugent ce combat légitime. Des combattants qui prennent surtout la pose alignés en rang d'oignons sous des arbres. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur la roquette, là ? La roquette, c'est toujours voilà, écrit « Kataeb al-Nasr Salah al-Din », le brigade militaire de mouvement du comité populaire de la résistance. Les drones israéliens aussi profitent du spectacle, qui est de courte durée. Tu crois vraiment que les oliviers, ça protège des drones ? Ouais. Dans leurs vidéos de propagande, les branches armées des partis palestiniens montrent tout le temps les dents, surtout le Hamas. Mais quand je dois interviewer la branche politique, je fais face à des papis à la barbe taillée, bien installés dans leur bureau, et qui n'hésitent pas à citer De Gaulle. We are losing the battle, but we are not losing the war. Comme l'autorité palestinienne en Cisjordanie, ils font surtout régner la terreur sur leur population. Moi, je commence à bien aimer les brigades. C'était chelou, hein, t'as vu, ils avaient les uniformes tout neufs. Ça faisait trop bizarre, quoi. Ça faisait rentrer des classes, en fait. Moi, je pense que le son, il est pas mal, hein, le son du drone. Hein. Là, j'ai pris quand toi t'étais en train de faire des roquettes. L'avantage de la radio, c'est qu'on peut travailler sans passer par la case salle de bain. Les prochaines heures seront donc décisives après cette nouvelle escalade militaire lancée par le Hamas. Je couvre souvent ces escalades militaires depuis Ramallah, en pyjama. Ce dernier a été la cible de raids israéliens sur des positions militaires au nord de la bande de Gaza ce matin. Et j'entre dans un tunnel. Tard dans la soirée, l'armée israélienne a bombardé le port de la ville de Gaza sans faire de victimes. Pas un tunnel de contrebande, mais un tunnel de papier et de direct. Bon, bah j'en suis à mon 10e papier et à mon 10e café, tout va bien. J'annule mes rendez-vous. Bon, est-ce que je pourrais prendre ma douche ou dormir ? Ça chauffe. Oui, un civil israélien. Ça réchauffe. Tu sais, les petits coups de chauffe en soirée. C'était juste pour vous dire que ça chauffe un petit peu. Ça réchauffe un petit peu à la frontière de Gaza. Ça s'enflamme. Il y a de quoi actualiser parce qu'en fait, là, la situation, elle s'enflamme. Ça dégénère. Allô ?
c'est possible que ça dégénère encore cette nuit à Gaza? Écoute, super, parce qu'on s'ennuyait, donc c'est dommage. Ah bah écoute. Mais jamais assez pour tromper l'ennui des rédactions. Moi, je vais aller dormir parce que j'ai une grosse journée. Bah, en fait, c'est toujours un peu compliqué, enfin, tu vois, de se projeter. Les cessez-le-feu conclus in extremis au cœur de la nuit ou au petit matin douchent les espoirs des correspondants. Cours, je suis sortie du tunnel, enfin presque. Et moi, j'en pleure de soulagement. Parce que c'est la dernière putasserie. Parce que je ne veux pas de ma petite guerre à Gaza. C'est les correspondants qui partent au début de l'été, là, qui sont arrivés il y a 4 ans et qui disent « Ah, mais tiens, on part, on n'aura même pas eu notre petite guerre à Gaza. » Surtout depuis que j'ai failli y rester. À suivre sur arteradio.com. Merci beaucoup. J'avais oublié ce que ça faisait d'avoir effectivement un vrai public en chair et en claquement de main. C'était donc l'épisode 3 de Carnet de correspondante de Marine Vlahovic, réalisé avec Arnaud Forest et qui est déjà en ligne. Dans cet épisode, on a vraiment beaucoup de choses. On a du son, on a l'impression d'être dans l'actualité puisque il y a quelques semaines, tout cela s'est reproduit comme tu le racontes. Pourquoi avoir choisi cette forme de narration et pourquoi avoir voulu dévoiler cette fabrique de l'information? Est-ce que tu ne prends pas un risque énorme? Est-ce que c'est un enjeu important? Qu'est-ce que tu entendais dénoncer et pourquoi avoir choisi cette forme pour le faire, Marine? Alors, je ne sais pas si je voulais dénoncer quelque chose, mais pour moi, ça m'a semblé en fait crucial au moment où je me suis mise devant mon ordinateur et où j'ai commencé à écrire ce podcast. Et surtout, le moment où j'ai replongé dans mes rushs, puisque j'ai accumulé des centaines d'heures de rushs, si ce n'est plus. En fait, j'étais face à un choix qui était simple. C'était de raconter les choses comme un carnet de voyage, un retour d'expérience... en me mettant un peu en valeur, ou alors de raconter les choses telles que je les ai vécues et telles que je les ai aussi vécues rétrospectivement. En réécoutant mes rushs, ça a été une étape très très importante pour prendre du recul aussi. Et j'avais besoin de ce recul-là pour pouvoir parler de ce que j'avais fait sur place, puisque j'avais tellement la tête dans le guidon sur place que c'était même compliqué pour moi d'avoir conscience. De l'intensité, par exemple, de ma vulnérabilité aussi sur place. Et voilà, donc j'ai choisi, c'était un choix total, radical. Et ça se concilie avec mon travail de journaliste. Je sors pas de mon travail de journaliste quand je fais ce podcast, pour moi. Ah bon ? Non. Je raconte simplement les choses autrement. J'assume ma subjectivité qui est que je possède dans le travail d'actu de hard news que j'ai pu faire. Le journaliste est une personne avec un regard et une subjectivité. Et il s'agit simplement d'une autre forme de récit, mais qui est tout aussi journalistique pour moi. Je l'ai fait avec beaucoup d'exigence. Alors évidemment, quand on raconte les choses comme ça, par exemple, on a tendance à généraliser, mais j'ai fait bien attention, justement, dans ce podcast, d'utiliser souvent, en général, pour bien marquer la différence, par exemple. Et j'ai travaillé à partir du factuel. C'est simplement que j'ai choisi de le raconter autrement, et je l'assume. Et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir raconter la pratique du journalisme. Ça pour c'était vraiment... Pour le démythifier ou pour dénoncer la pression de l'information en continu ou... Dans ce podcast, je ne fais pas de critique des médias. Je raconte ma vie de journaliste. Je ne suis pas une journaliste critique des médias, spécialiste de décryptage ou en tout cas des médias. Et il y en a qui le font très bien. Mais... pour moi, ce qui vraiment me semblait déterminant, c'était de dévoiler ces coulisses-là pour l'apporter au public.
Voilà. Et après, bah, chacun fait un peu ce qu'il en veut, finalement. Alors oui, ça peut ressembler à une critique, mais je pense que c'est pas juste de dire ça. Voilà, c'est le récit d'une réalité. En tout cas. Alors, tu prends des risques sur le terrain au début de l'épisode 4, alors qu'il y a les affrontements pour ce qu'on a appelé la marche du retour. On entend littéralement la balle d'un sniper israélien qui siffle près de ta joue. Donc tu prends des risques sur le terrain, tu prends aussi des risques dans ce podcast en mêlant l'intime à la question de l'information et à la question plus large du conflit israélo-palestinien. Quand même trois terrains difficiles. Est-ce que tu n'étais pas inquiète? C'était important pour toi de dire qu'une journaliste, une jeune correspondante en Palestine, c'est aussi quelqu'un qui a des histoires d'amour et qui va faire la fête? Oui, puisque c'est la vie des journalistes à l'étranger, des expatriés. Enfin, voilà, moi, ça me semblait important de sortir de cette posture, en tout cas, de journaliste. L'épisode de la balle auquel tu fais référence, je l'ai raconté pas pour mettre en avant mes faits d'armes. Dans l'épisode 4, je pense que ça s'entend. Je l'ai raconté parce qu'en fait, sur le moment, je prends même pas conscience de ce qui vient de se passer. Je continue à travailler parce que je suis harcelée par les médias et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis harcelée par les médias, par les rédactions par qui les veulent rédactions. Leur oui, puisque c'est le premier jour de la marche du retour à Gaza, personne ne savait vraiment à quoi s'attendre et puis les morts s'enchaînent, les morts s'enchaînent, et comme malheureusement c'est le cas trop souvent pour cette région, l'intérêt médiatique se réveille uniquement quand il y a du sang, des larmes, des drames, et j'ai même pas, sur le moment, j'ai même pas le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer, et dans les heures qui suivent ou même les jours qui suivent, j'ai même pas le temps d'y penser. Et vraiment de prendre conscience de ce qui s'est passé. Et je voulais raconter cet épisode pour ça, pour raconter finalement une des dérives de ce métier, hein, c'est qu'en fait on s'arrête jamais et on prend pas beaucoup soin de soi. Voilà, c'était aussi ce que je voulais raconter par l'épisode de la balle et de raconter la fête, la vie, le quotidien. Oui, c'était aussi important puisque je voulais contextualiser ce podcast. La Palestine donc, où j'ai vécu et Israël où je me rendais pour travailler, ce n'est pas un simple décor. Ce n'est pas une simple question géopolitique. C'est un endroit avec des gens, avec des humains. Moi, j'essayais de l'aborder sous cet angle-là en tant que journaliste. Je n'ai pas réussi autant que je le souhaitais. Mais du coup, ça me semblait aussi important de me replacer moi en tant que personne. Et je pense que cette posture du journaliste, elle est importante finalement. Il faut la briser un peu. Pas forcément démythifier, mais vraiment la briser, parce qu'il y a un fossé qui se creuse avec le public. Je pense qu'il est urgent de pouvoir raconter ce qu'on fait, se remettre en question, parce que c'est un beau métier, mais pour le défendre, il faut aussi qu'on puisse se remettre en question. Et en tout cas, moi, voilà ce que je fais dans ce podcast, c'est que je laisse apparaître mes doutes par rapport à ma pratique, et ça me semblait important de les exposer. Et j'espère que ça sera utile. En fait. Écoute, c'est un travail remarquable qui a déjà un fort écho et dont on est très content. Est-ce qu'à ce stade, Sarah, nous avons déjà des questions en ligne? Voilà. Et dans la salle aussi, préparez-vous. On a le micro. On a une question de Nat pour Marine. Donc, est-ce que tu as eu des nouvelles de tes amis et de tes contacts depuis que cette guerre promise est arrivée? Oui, bien sûr. J'étais en contact régulier, voire permanent, avec Gaza. Je ne peux pas y retourner, en raison notamment des restrictions sanitaires. J'espère que je pourrai y retourner
très vite et pas dans le contexte d'une guerre promise, enfin, ou pas seulement dans ce contexte-là, puisque c'est un endroit qui mérite d'être raconté, qui et avec subtilité. Ce qui me frappe chez toi, parce qu'on se connaît bien, ça fait un moment que tu collabores avec Arte Radio, et puis tu as une carrière de journaliste par ailleurs dans divers médias, tout autour de la Méditerranée, journaliste indépendante ou pour les radios publiques. Et ce qui est toujours frappant chez toi, c'est que là où tu vis, tu habites, tu as des amis, tu as appris l'arabe, tu communiques avec les gens, et ce qu'on entend dans ton podcast était très beau, c'est aussi que la guerre, les événements viennent aussi bousculer tes amitiés avec des Israéliens. Et je trouve que tu maintiens un équilibre humain qui n'est vraiment pas évident dans ce contexte-là. Mais c'est nécessaire quand on est journaliste. Enfin, moi, c'est vraiment ma vie sur place qui nourrissait mon travail. On peut pas, y a pas une frontière étanche entre la personne que je suis et mon métier. Et je pense que c'est un peu ce qu'on entend finalement dans ce podcast, ou en tout cas c'est ce que j'ai choisi de rendre public. Mais je pense que c'est ce que le public ne réalise pas. Il attend du journaliste d'être une espèce de machine objective, comme si une telle chose existait. Oui, mais la sacro-sainte objectivité, c'est un faux débat. Je pense que on devrait plutôt justement porter le débat sur l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Moi, j'ai essayé, par exemple, d'être honnête dans ce podcast. Y compris en faisant entendre tes fragilités, tes doutes et tes gueules de bois. Merci beaucoup, Marine Vlahovic. Avez-vous des questions à ce stade dans la salle? Y a-t-il une question qui sera exprimée très fort et que je... Non? Allez-y. Alors la question, c'est est-ce que tu as eu l'opportunité de raconter ce genre de choses dans les médias pour lesquels tu travailles, au-delà du format d'une minute quinze? Alors il y a des formats un peu plus longs hein, qu'une minute quinze en radio, des formats magazine de 2 minutes 30 ou 4 minutes ou 5 minutes, ou d'autres formats encore plus longs, mais par exemple qui étaient difficiles à réaliser, puisque... En termes financiers, bah, c'était pas très intéressant. Enfin, de passer beaucoup de temps, par exemple, sur un. Enfin, c'est pas que c'était pas très intéressant, mais c'est que. Enfin, c'est du travail à perte, quoi. Et surtout pour faire du bon travail. Et de le raconter comme ça, non. Non, je pense que les radios pour lesquelles je travaillais sont encore trop formatées, malheureusement. Et moi aussi, je prenais ce rôle de journaliste à cœur. C'était aussi une protection, dans un certain sens, parce que je me suis fait beaucoup attaquer hein, quand j'étais sur place, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc non, on m'a pas donné l'occasion de le raconter comme ça. Mais je pense que justement, ça devrait se généraliser. Bon, il y a quelques émissions hein, de critique des médias où les journalistes racontent un peu leur retour d'expérience, mais elles sont trop rares. Et oui, il faut peut-être enlever un peu ce costume de journaliste pour pouvoir raconter les choses comme telles. Merci. C'est un bout de ta tête, tu n'es pas journaliste, tu es documentariste pour France Culture, pour Les Pieds sur Terre et pour d'autres émissions documentaires. Tu es aussi autrice. Tu viens de publier, d'après l'une de tes émissions de radio, un livre, un récit, La mélancolie du Macnin, aux éditions du Seuil. C'est ton premier podcast pour Arte Radio. On va écouter tout de suite un épisode de ce podcast, La Cité des Hommes, qui sera donc en ligne à partir du 7 juillet. On écoute Les Bastons, et c'est réalisé avec Samuel Hirsch. Les Bastons, par Seham Boutata, extrait de La Cité des Hommes, 10 minutes. Mais la CTC, un territoire. On l'a défendu. On l'a défendu énormément. Il y a eu des blessés, il y a eu des combats, il y a eu. Mais je me suis battu, mais plein de fois. La cité Paganini, vite raccourcie en Paga, c'est un ensemble de bâtiments dans un quartier populaire de Paris.
C'est là où j'ai grandi, avec ma sœur, mes frères et mes parents. Dehors, les garçons de mon âge montaient la garde. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 5, Les Bastons. Entre mon arrivée à la cité à l'âge de 6 ans et à l'âge de 22 ans à la naissance de mon fils, j'étais pas très intelligent. T'sais, personne ne pouvait parler avec moi, personne ne pouvait me regarder. J'étais un vrai combattant, Dieu merci. Mais par contre, je me battais tout le temps. Et c'était affreux. Et après, mon fils est arrivé. Et quand mon fils est arrivé et que moi, j'avais peur de rien, et j'ai jamais eu peur de rien, et que j'ai commencé à avoir cette conscience de dire « Putain, s'il m'arrive quelque chose, mais lui, il va se retrouver dans la merde. » Mais c'est de là que j'ai commencé à changer. Mais avant ça, j'avais aucun frein. T'sais, j'étais complètement... je pouvais prendre une arme et tirer sur quelqu'un parce qu'on me l'avait demandé. J'avais aucun cerveau. Julien Melun, ouais, moitié français, moitié kanak. Bon, lui, il était pareil, très caïra dans l'âme. Il aimait bien faire des conneries et tout. Et un exemple, son grand frère, qui était assez costaud, lui faisait faire des abdos. Moi, je l'ai vécu, hein, c'est pas des blabla, hein, c'est sur 100% tout ce que je te dis. Moi, je l'ai vu, au 8e étage, il lui tient les pieds, il est dans le vide et il fait des abdos. Donc le mec a 17 ans. Donc c'est vrai que quand ton grand frère, il te fait faire des trucs comme ça, c'est sûr quand on va à la Foire du Trône et qu'on se fait embrouiller, lui, il a un tournevis et il plante tout le monde. Enfin, parce que en fait, son frère, il met déjà dans un délire guerrier de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Des problèmes de regard, ça pouvait être pour une parole, pour rien. Mais après, c'est un concours, hein, tu sais. Là, c'est lui qui aura la plus grande gueule. Il y avait même des embrouilles entre cités, des fois, tu vois, de cités qui venaient chez nous pour se taper, ou vice-versa, tu vois. Quand on est gamin, on aime bien la surenchère, quoi. Tu vois, ouais, t'es pas capable, enfin, voilà, c'est un peu ça. C'est comme une prison, un petit peu, hein. Quand c'est des histoires de cités, des blabla, il y en a plein. Mais c'est les actes qui font foi. Disons que nous, à Paganini, on avait cette force de pouvoir regrouper beaucoup de monde assez vite. Et en fait, Paganini, mine de rien, de part aussi la musique, la MIFA, DJ Saïdou, DJ Blacker. C'était une cité qui faisait des soirées, une cité forte, une cité connue dans Paris. Et donc forcément, ça crée des jaloux, ça fait des histoires dans les soirées. Il y a eu des histoires aussi à cause des femmes. Il y a eu avec Danube dans le 19e, des grosses embrouilles. Mais ouais, Rue des Haies, il y a eu avec les arcades toujours un petit peu. Je me souviens une fois avec les arcades, c'est Mam ou je sais pas qui s'était fait embrouiller par les rebeux des arcades. Et on est arrivé à la cité, il me semble, bref. On dit ça, mais en 2 minutes, il y avait 30 personnes, un gun et tout. On est arrivé, les deux rebeux étaient là, ça s'était passé 20 minutes avant. Bras, il est arrivé, balayette, braqué direct le mec par terre, calibre dans la bouche. Genre, maintenant, tu touches à un mec de Paganini, la prochaine fois, je te préviens, je te fais sauter la tête, quoi. Ça a duré 10 minutes. Et on est retourné à la cité. Et là, quand on est retourné à la cité, bah, on est content. Je rentre de l'école, on a été en embrouille avec Rudé. J'arrive à la cité, et les grands, ils me donnent un Beretta entre les mains. Ils me disent, viens, on descend, on y va. J'ai jeté mon sac d'école, j'ai pris le Beretta, et on a commencé à y aller. Et Dieu merci, parce que tu sais, Dieu est grand. C'est qu'avant même que je sorte de l'immeuble, mais les gars de Rudé, ils étaient déjà là. Ils ont commencé à tirer. Donc lorsqu'ils ont commencé à tirer, on est tous partis s'enfermer dans la cave. Donc j'ai gardé l'arme sur moi. Mais si on avait eu le temps de partir jusqu'à Rudé, j'aurais pu tirer sur quelqu'un et je ne serais peut-être pas en train de parler avec toi aujourd'hui. L'histoire, ce qui m'a le plus marqué, c'est le jour où on s'est fait tirer dessus chez nous. Je sais pas, il y a eu une bagarre entre quelqu'un et je sais pas qui, enfin, on s'en fout en fait. Mais nous, on était, je me rappelle, en bas de l'immeuble de Brahima. Et je me rappelle, il y avait les costauds. Hein. Il y avait Robinson, il y avait Dog, il y avait deux, trois grosses têtes et des beaux bébés. Hein.
Et à un moment, on voit 15 mecs débarquer, des vrais beaux bébés aussi, et on n'a même pas eu le temps de comprendre qu'ils ont commencé à nous rouer de coups. Et on était en nombre inférieur, et puis on était dépassés par le truc, donc on a commencé à cavaler pour pas se faire massacrer. Et sauf qu'à un moment, je me rappelle, en courant, donc moi j'étais dos, je courais. Parce qu'imagine, j'étais vraiment le petit gabarit, donc quand je te dis que les mecs, c'était... Moi j'ai dit, putain, ils vont me choper, eux, je t'explique, ils vont jouer au tennis, quoi. Et à un moment, on entend des coups de feu, c'est-à-dire que les mecs nous tirent dessus. Et là, putain, le voile tombe, quoi. Il n'y a plus de... Là, on est rentré dans un autre délire, en fait. Le côté où tu te sens protégé par la cité, où tu te sens en sécurité dans la cité, il vient de tomber en deux secondes, la cité devient dangereuse. Et finalement, même tes gars qui sont là, ils sont costauds, ils ont une paire de couilles comme des taureaux, et ils peuvent rien faire. Eux aussi, ils courent. Et on se fait tirer dessus, quoi. Et je crois que c'est là, en fait, j'avais 18 ans. Je crois que quelques mois après, je suis rentré dans le sentier, et ça m'allait très bien. Parce que je suis pas... Je veux pas crever, en fait, déjà de... En plus, on savait même pas pourquoi, hein. C'est même pas... On sait... En fait, on peut mourir ici, quoi. Sans raison, je ne sais même pas qui va me tuer, je ne sais même pas pourquoi il va me tuer. Il va me tuer parce que j'habite ici. Et là, tu vois le côté un peu gore, un peu glauque de la cité, tu vois. Où là, on rentre dans le truc un peu moins enfantin, un peu moins sympathique. C'est pas un truc qui arrive partout, ça, je crois. On était fâchés avec l'UDA, donc il y a eu une descente, ils ont tiré dans la cité. Quand c'est arrivé, j'étais avec un de mes meilleurs amis, c'est bon, Easy, et un noir américain qui venait juste d'arriver, qui emménageait dans l'immeuble d'Easy, justement, et qui était avec son matelas, qui arrivait. Et on lui a gentiment dit de rentrer, dépêche-toi, rentre. Il comprenait pas pourquoi, parce que ça tirait. Donc on l'a fait rentrer et nous on regardait, on était dans le hall et donc on a vu les mecs de la rue des Haies tirer dans la cité. Bon, ils essayaient de shooter des gens mais bon, ils ont eu personne, mis à part tirer sur les balcons ou les fenêtres de certaines personnes. Et ce mec qui nous dit « je suis pas mieux des États-Unis pour vivre ça » quoi, en fait. Donc c'était assez comique. Et là pareil, on débarque toute la cité contre toute leur cité dans un terrain de basket entouré d'une cage. Donc on est vraiment dans la cage et on est vraiment, je sais pas, au moins 20 contre 20. Et à un moment, tous, on se jette les uns dans les autres, on se bat tous. Et lui, Robinson, qui est un peu quand même pareil, l'homme fort de notre génération de la cité, se bat contre leur homme fort à eux, un autre noir assez costaud qui joue au foot aussi. Et là, bah Robinson, il perd. Il se prend une mauvaise droite, il tombe. Et il commençait à se faire quand même maltraiter alors qu'il était par terre. Et moi, je le vois et j'arrive. Et là, je mets un gros coup de pied dans la tête du mec. Donc, ça fait quand même pencher la balance. Parce que mine de rien, je savais quand même me battre, t'inquiète pas. Et je lui ai mis un bon coup de pied en teutré. En plus, c'est pas terrible. Mais bon, bref. Voilà, j'ai sauvé mon gars, quoi. Tu vois, c'était plus fort que moi. J'ai même pas réfléchi. Ça s'est fait comme ça. Et après, j'étais wanted. Mon... Mais un truc de ouf. Le Babtou, là, de Paganini. Je pouvais plus aller me chercher un grec rue d'Avron. Tout seul, hein. Ça m'est arrivé une fois ou deux de courir et tout, de me faire courser. Parce que, et à juste titre, le mec, ils n'avaient pas du tout kiffé que je fasse ça. C'est vrai que c'est moyen, ça se fait pas trop. Puis une autre fois, t'avais Saint-Blaise aussi qui avait débarqué à la cité avec des pits et tout. On était en bas, ils étaient tellement arrivés en force avec des pitbulls et des bâtons qu'on était tous remontés chacun un petit peu se cacher et tout. Et j'avais vu de la fenêtre que c'était chaud et tout. Et quand on pensait que c'était un peu calmé, on était descendus. Et là, Dog, il s'est retrouvé tout seul en bas de chez Rodney et il s'est fait planter la cuisse. Et moi, je suis arrivé pareil avec un bâton tout seul. Genre, ouais, tu sais, alors que je suis qui, quoi, tu vois, et j'aurais pu me faire marave. Non, coup de pression et tout, vas-y, niquez vos mères et tout avec mon bâton. Et Dog, direct après, il est parti à la Croix-Saint-Simon. Il s'était sacrément fait planter la cuisse. Bah, on peut aller foutre le bordel dans une autre cité, on peut s'embrouiller avec des gars d'une autre cité, mais dans notre cité, il vaut mieux pas s'embrouiller entre nous. Parce qu'on se voit tous les jours. Quand tu vois quelqu'un tous les jours, bah, si tu t'embrouilles avec lui, tu fais comment demain? Comment tu vas à l'école demain, tu vois? Donc, je pense qu'on a toujours essayé d'éviter de se faire du proprement parler du mal entre nous. À suivre sur arteradio.com. Merci beaucoup. C'était un épisode de La Cité des Hommes, donc une série documentaire de Séam Boutata, qui sera en ligne sur Arte Radio à partir du 7 juillet. Qui est-ce qu'on entend, Séam? Quel est ce cœur des hommes de cité que tu... Et comment
as-tu fait pour les réunir et obtenir ce genre de récit? Eh ben, c'est des, c'est mes camarades de cité avec qui j'ai grandi. En fait, nous, la particularité de notre cité, c'est qu'elle est sortie de terre en 85. Donc, on est tous arrivés entre 85 et 86 dans cette cité, un peu comme des conquérants, puisqu'on était les premiers habitants. Et donc, plein de gamins, plein d'enfants. On avait, donc, il y avait 20 bâtiments, 600 logements, on devait être à peu près 2000. Du coup, il y avait une école, en fait, dans cette cité, et on a grandi ensemble, on a occupé cette école. Et voilà, les gens qu'on entend, c'est tous mes camarades de classe. Et ces gens, donc, il y a un autre épisode qui s'appelle la mixité, qui est très fort, qui se passe quelque chose d'assez intéressant à ce moment-là, à cette époque, et qui va changer par la suite, c'est les origines. C'est un quartier populaire, tout le monde est de classe populaire, mais les origines sont extrêmement diverses. Oui, diverses et variées, ouais. On venait de partout. C'était un véritable melting pot. Donc, je ne sais pas, on avait des copains qui étaient noirs, arabes, évidemment, antillais, beaucoup de juifs, beaucoup d'asiatiques. Le médecin, parce qu'on avait un médecin aussi dans cette cité, m'a dit qu'un jour, il avait dénombré le nombre de nationalités dans sa salle d'attente. Il y en avait 30. Donc, c'est vraiment, on venait de partout. C'était une cité donc, voilà, de toute origine, mais aussi parce qu'il y avait aussi une mixité sociale. Donc, il y avait des HLM et des immeubles de la SAGI, donc, qui étaient à loyer moyen. Donc, loyer modéré et moyen. Et donc, je pense que ce mélange a permis, du coup, d'avoir cette mixité. Il y a aussi un épisode sur les filles, ou plutôt leur absence, parce que tu as fait un parti pris assez radical. C'est qu'on entend, dans la Cité des Hommes, uniquement des hommes. Je crois à peu près 12 ou 13 intervenants qui se succèdent comme ça. 13, oui. Ouais. Oui, alors c'est un parti pris parce que moi je suis une fille, hein, donc voilà. Et ce qui m'a intéressée en fait, c'était de découvrir ce monde, le monde des garçons auxquels moi j'avais pas accès après l'école, hein, parce que ils traînent ensemble, ils restent dans la cité, ils squattent les halls. Alors eux, c'est vraiment pour le coup les garçons, ils forment vraiment une espèce de corps en fait. Un peu comme on peut retrouver, à l'armée ou dans les prisons. Et du coup, il y a quelque chose où ces hommes sont tout le temps ensemble. Et en fait, je ne pensais pas du tout faire ça au début, puisque je t'avais proposé un autre sujet. C'était sur le médecin, justement. C'était justement sur le médecin. Qui partait à la retraite après. Qui partait à la retraite. Et je voulais qu'il me raconte donc l'évolution de la cité, parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir comment une cité évolue aussi dans le temps. Et en fait, j'ai retrouvé un copain de classe, Cédric. Et quand il a commencé à me raconter ce qui se passait en fait dans la cité, j'ai été complètement subjuguée en fait. Voilà. Et il m'a raconté un monde. Alors voilà, parce que le podcast c'est aussi une véritable machine à remonter le temps. Et du coup, je suis retournée dans ma cité. Grâce à eux, mais en découvrant un nouvel aspect de cette cité. Et ça, pour moi, c'était vraiment intéressant. Et je pense que le fait que je sois aussi une ancienne camarade et qu'ils me connaissent, et que, évidemment, toutes les personnes qui sont citées et qui me citent, je les connais tous, bah, du coup, ça a permis aussi d'avoir une confiance. Et donc, ils me racontent tout à cœur ouvert. Ouais. Et alors, ce qui est très étonnant, il y a beaucoup de choses étonnantes dans cette série. Il y a le fait que donc, ce sont des gens de toutes origines, mais avec la radio, voilà. C'est le fait qu'ils sont toujours copains, 20 ans après. Ouais. Ils sont très soudés. Il y a des parcours plutôt chouettes. Et il y a, il me semble, dans le langage, dans la réflexion, une grande pertinence, un grand recul qu'on ne s'attend pas forcément à trouver. Est-ce que pour toi, c'était une façon de valoriser la culture des quartiers populaires, ou est-ce que tu penses faire une œuvre sociologique ?
Oui, alors disons qu'on parle toujours des cités ou des banlieues d'une façon assez... Enfin, moi, je trouve que c'est souvent traité d'une façon méprisante et condescendante. De la part de... Enfin, voilà, quand on en parle, c'est souvent des gens qui sont extérieurs à la cité ou à la banlieue qui vont le traiter. Et moi, je me retrouve pas forcément dans ce qu'on dit tout le temps. Moi, encore une fois, je trouve que voilà, la cité dans laquelle j'ai grandi... pour moi, ça a été un véritable... Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai vraiment aimé vivre avec tous ces gens. Je pense que j'aurais pas cette ouverture d'esprit aujourd'hui si j'avais pas vécu là-bas. Je pense que c'est le seul endroit où justement j'ai vécu, où il y avait autant de gens de différents horizons que j'ai pas retrouvé par la suite, ni au lycée, parce que j'étais dans un lycée très haut classé, donc voilà, où il y avait énormément de blancs, pour le dire, ou aujourd'hui dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que la seule fois où j'ai été vraiment avec des gens de partout, ça a été dans ma cité. Et on parle souvent de communautarisme, en désignant ces personnes-là, alors que je pense que la première communauté, c'est la communauté blanche, auquel souvent il manque des mélanges, et je trouve ça assez dommage en fait. Ben, on entend beaucoup d'entraide, de solidarité, une absence totale de racisme et d'antisémitisme. Ils abordent eux-mêmes la question. On entend aussi que les choses se sont... Que là, c'est les années 80-90 qui sont un peu une forme d'âge d'or béni et où, effectivement, ils parlent de la cité aussi comme d'un espace protecteur, comme d'un espace où on peut grandir, maturer, faire des conneries, mais d'autres choses. Mais on entend aussi que ça va se dégrader par la suite. Oui, ça va se dégrader par la suite et bah, je rejoins un peu du coup le premier documentaire qu'on a entendu. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont nés donc avec après la première intifada, donc à la fin des années 90 et début des années 2000, ont du mal à s'imaginer en fait, qu'on pouvait être tous ensemble, juifs, arabes, musulmans... chrétien, noir, athée, tout ce qu'on veut, et vraiment sans que ça pose de problème, parce que en fait, la religion, elle restait à la maison, on ne se baladait pas avec, et qu'aujourd'hui, quand on parle de ça, j'ai des jeunes qui me regardent en me disant « Ah bon, mais... ça leur paraît complètement un autre monde d'avoir pu être aussi mélangé, en fait, et d'avoir des amis qui viennent de partout sans que ça pose, sans que ça pose problème. » Ouais. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement touchant, bah, il y a c'est dans les parcours individuels et une forme de réussite. Et là où je parlais de l'intérêt de la culture des quartiers populaires, c'est dans le dernier épisode, l'héritage, où il parle de ce que la cité peut apporter en termes de relationnel, et y compris après sur un plan professionnel. Parce que ceux que tu as retrouvés ont des parcours plutôt de réussite sociale, Sans renier leur amitié, leur... Ouais. Mais parce que la cité, c'est une certaine... c'est une identité aussi, c'est un ADN. On a ça en nous. Et donc, quand on a grandi tous comme ça, tous ensemble, avec cette solidarité, ça a créé des amitiés. Donc oui, pour eux, c'est des amitiés de 35 ans. C'est vrai qu'aussi, c'était pour ça que ça a été aussi plus simple de les retrouver, parce qu'encore aujourd'hui, ils continuent à se voir, ce qui n'est pas le cas des filles, par exemple. Nous, après l'école primaire, on est toutes parties dans des collèges différents, et on vit notre vie, et je pense qu'on part assez rapidement de la cité, on sort de là. Alors qu'eux sont restés dans la cité, beaucoup. Alors aujourd'hui, plus personne n'y vit, ils ont encore leurs parents, pour certains là-bas, mais oui, pour eux, ça leur a tous apporté quelque chose. Ouais, la cité leur a apporté une façon de... je sais pas, il y a des codes, en fait. Je sais pas, de respect, de solidarité, d'entraide. Du langage aussi, je trouve leur expression très juste, très précise. Oui, ils parlent très bien. Selon les épisodes. C'est agréable parce que justement, on n'a pas le sentiment d'écouter une caricature. On entend des jeunes hommes accomplis. Oui, ils ont 40 ans aujourd'hui. Mmh. Mais c'est vrai qu'ils s'expriment tous très bien. Ça casse un peu le mythe du wesh-wesh en cité ou en banlieue. Merci, Siam Boutata. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour l'un ou l'autre de ces podcasts, pour l'une ou l'autre de ces autrices?
Et est-ce qu'il y a des questions, Sarah, dans l'infinité des réseaux ? Non, en fait, Sam, t'as anticipé les questions qui se posaient, tu y as répondu très précisément. Magnifique. Est-ce que vous avez le sentiment, l'une et l'autre, du coup, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette forme du podcast ? Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans ? Est-ce que vous avez l'impression de faire une œuvre ? Toi, tu as déjà répondu, tu dis que là, tu fais du journalisme, tout en disant « je ». Toi, tu ne dis pas « je », et en même temps, ce podcast ne pourrait pas exister sans ton parcours personnel. Est-ce que, qu'est-ce qui, selon vous, caractérise cette forme de récit du réel ? Bah, moi, ce qui m'a plu, c'était de donner la parole aux acteurs en fait, de la cité. C'était vraiment jouissif, en fait. Et puis, d'avoir, du coup, une parole qui était... Alors, je mets tout, hein, je ne dis pas que la cité, c'est génial, il y a aussi... Quand même beaucoup. On a entendu, de, ouais. C'est très nuancé aussi pendant la série. J'espère que ça s'entendra. Mais enfin, vraiment, voilà, c'était aussi. J'étais très heureuse parce que là, enfin voilà, on a tous 40 ans, la quarantaine, et qu'on a tendance à regarder dans le rétroviseur et à avoir beaucoup de tendresse sur notre enfance, en tout cas moi. Et du coup, je me disais que c'était peut-être dans ma tête et que j'avais peut-être moi une vision un peu. Voilà, comme ça, très édulcoré de ma cité, et que j'étais. Et en fait, de les retrouver, en fait, ils ont tous une tendresse par rapport à cette cité, parce que c'est aussi une déclaration d'amour, en fait. Je trouve qu'ils adressent. C'est un personnage, la cité, quand même. Et c'était assez beau de voir qu'on avait tous vécu des moments heureux, tous ensemble. Voilà. Et du coup, ça. Mais alors pourquoi les garçons sont dehors tous les soirs et les filles sont à l'intérieur ? C'est Amou Tata. Ah bah ça, je pense que différentes raisons. Mais moi, je vais prendre mon cas. Hein, je vais parler de moi. Mais moi, j'étais un peu quand même contrôlée par mes parents. Donc voilà, on me laissait pas sortir si j'étais une fille. Alors qu'on entend ton frère. Ton frère est l'un des 13 personnages du podcast. Oui, ouais. Mais bon, il traînait pas non plus trop dehors. Hein, c'était... Ah. Après, je pense que, enfin voilà, nous on était assez contrôlés. Et puis, je pense que, enfin voilà, traîner, la délinquance, la violence, c'est quand même un milieu très masculin, en fait, au final, beaucoup plus que féminin. Les femmes se bagarrent moins, se bastonnent moins entre cités. Et puis, oui, je pense que il y a vraiment un terme de c'est un territoire, quoi, en fait, la cité. Donc, ils ont envie de contrôler, de protéger ça, mais en même temps c'est des gens qui, voilà, qui avaient pas, qui pouvaient pas sortir. Moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont payé des colos, de pouvoir partir tous les étés. Eux ils restaient là tout le temps, donc oui, à un moment ils possèdent cette cité, je pense. Voilà, donc il y avait aussi. Ils en sont à la fois les gardiens, les héros, les narrateurs. Oui. Mais voilà, moi, en tout cas, dans les années 90, une fille, elle n'était pas dehors le soir avec les garçons. C'était très rare. D'accord. Merci, Siamou Tata. Est-ce qu'il y a maintenant à nouveau des questions ? Sachant que je ne vous vois pas crier en vous manifestant très fort. Oui, allez-y. Merci pour le podcast. Merci. C'est une question sur la masculinité qui est décrite dans le podcast, et est-ce qu'elle a évolué aujourd'hui dans les cités ? Alors, je me suis posé la question, parce qu'il y a eu quand même des films... Enfin, il y a Céline Sciamma qui avait fait un film Bande de filles, mais donc on voit les filles rester entre elles aussi, et pas forcément dans la cité, elles sont plutôt à l'extérieur, justement, de la cité. J'ai fait écouter un épisode dans un lycée où j'interviens, donc dans un lycée qui se trouve en Seine-Saint-Denis, et j'ai posé la question, et les filles m'ont dit que ça n'avait pas changé, et que c'était toujours comme ça. En tout cas, dans leur cité à elles. Donc, voilà. Sur la question de la différence entre les garçons et les filles. Ouais. Okay. Que les garçons étaient vraiment entre eux, et les filles encore entre elles. L'une des choses que... C'est toujours étonnant de voir qu'on grandit et qu'on évolue, hélas, dans des mondes non seulement différents, mais étanches. Moi qui n'ai pas du tout connu ça, il a fallu que j'écoute ton podcast pour réaliser
qu'on pourrait expliquer une énorme partie des comportements dans les cités par ce simple fait qu'on habite tous au même endroit et qu'on se retrouve tous les soirs en bas. Mmh. Moi, mes copains, ils habitaient à des kilomètres. Donc, on se retrouverait le week-end, on faisait des bêtises quand on était ado, mais on en faisait une fois par semaine, parce qu'on se voyait qu'une fois par semaine. Non, mais c'est idiot, il a fallu que j'écoute ce podcast pour réaliser que si on se voit tous les soirs au même endroit tout le temps, il va se passer beaucoup plus de choses, beaucoup plus de liens, dans le bien comme dans le mal. Bah, tous les jours à l'école, en plus. Ouais. Et oui, tous les soirs dans la cité, et oui, ils descendaient, et puis voilà, ils faisaient les 400 coups ensemble, et ils étaient très nombreux. Mmh. Donc ils avaient énormément de copains. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que quand... voilà, on entend vraiment, quand il y a un épisode qui s'appelle l'amitié, ils en parlent, enfin, voilà, c'est vraiment une fidélité, une solidarité, enfin, il y a tout dans ce mot, et ils disent, mais j'ai pas assez des deux doigts, enfin, des deux mains, mmh. des, pour dénombrer le nombre de copains qui me restent encore aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est assez fort pour ça. Mmh. Mais c'est ce genre de podcast qui nous permet d'accéder à d'autres mondes avec à la fois ce point de vue sociologique ou journalistique, mais à la fois ce point de vue personnel, sensible, humain, qui nous intéresse, en tout cas sur Arte Radio, où ce qui nous intéresse chez nous dans le podcast, c'est la démarche des auteurs aussi, avant tout. C'est pas seulement les thématiques, c'est la manière dont le sonore... invente de nouvelles écritures, vraiment au pluriel. On voit bien là dans ces deux exemples qu'il n'y a absolument rien de commun dans l'appréhension du sonore. Et pourtant, il y a cette même attention au réel, à la parole des gens, à leur voix, à leur singularité. Et ce qui est une plutôt chouette façon d'appréhender notre monde. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? Oui, non, mais c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis. Enfin, je pense que c'est le point commun qu'on se définisse comme journaliste, auteur, autrice, enfin, voilà, tout ça c'est une question de catégorie. C'est quand même qu'on on écoute et on enregistre ces gens qui nous intéressent, qui nous offrent leur parole. Enfin, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille et ça j'en suis toujours reconnaissante, quoi. J'ai l'impression d'être riche de ces vies. Que j'ai croisé, que j'ai enregistré, et c'est un, je pense que c'est le podcast en tout cas peut être le format pour faire ressortir cette richesse aussi. Ça s'entend tout à fait dans ton travail. Donc, Carnet de correspondante de Marine Vlahovic est déjà en ligne sur Arte Radio dans le podcast à suivre. La Cité des Hommes de Séam Boutata sera en ligne à partir du 7 juillet. Sarah, avons-nous des questions des internets? Excusez-moi, c'est une question pour Marine de Nat. À la fin du dernier épisode, tu réponds à un questionnaire. Et la question est, c'est qui t'a proposé ce questionnaire et quelle suite a été donnée à ces réponses? Alors c'est pas à la fin du cinquième épisode, c'est au début du cinquième épisode. Donc, il s'agit d'un questionnaire sur la santé et le stress au travail chez les correspondants pigistes. Et je commence l'épisode en disant que être correspondant, c'est mauvais pour la santé, puisque moi, j'ai eu pas mal de problèmes, justement, de santé. Et ce questionnaire particulier, c'est un questionnaire qui a été... élaboré par des correspondants pigistes. On était à ce moment-là engagés dans une lutte parce que notre employeur principal avait décidé de supprimer les cotisations sociales, donc santé et retraite, aux correspondants pigistes à l'étranger. Et il fallait faire un petit point. Et malheureusement, il n'y a pas eu, de suite. Eux continuent. Leur lutte, moi je ne reprendrai pas la correspondance, je les admire de pouvoir continuer, en tout cas les correspondants pigistes précaires à l'étranger, je les admire vraiment de pouvoir continuer à travailler dans de telles conditions. On a commencé sur la précarité, on va finir là-dessus, mais juste cet employeur principal qui n'est, vous avez vu qu'ils ne sont jamais nommés dans le podcast, c'est RFI, et les autres, on entendait ton travail sur France Culture, sur France Inter. Pourquoi ce choix, de ne pas nommer les chaînes, alors qu'on les reconnaît, on reconnaît les animateurs, on reconnaît les journalistes, on reconnaît les jingles, enfin c'est un choix qu'on a eu en commun, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup discuté là-dessus, c'était non, une évidence. Non, en fait, c'était une évidence, parce que pour moi, il s'agit d'un système, il ne s'agit pas de médias en particulier.
Donc je pense que c'était important d'anonymiser comme ça. Et puis j'aimais bien aussi l'idée qu'on entende la couleur des antennes finalement. C'est un peu comme un jeu, quoi. Peut-être de reconnaissance. Vous avez un reconnu petit jeu de piste pour les auditrices et les auditeurs de radio et les accros de l'info, par exemple. Je trouvais que c'était intéressant. Et oui, anonymiser, parce que moi, ça me semblait une évidence. C'est pour ça que il s'agit d'un système médiatique, pas de médias en particulier. Est-ce que tu as des retours de tes employeurs, de tes anciens employeurs? Non. Quoi que t'avais mais il est sorti il y a pas, il est sorti il y a quelques jours, donc non, mais j'ai. Ben, je pense que oui. Enfin, par exemple, j'ai reçu un message qui m'a énormément touchée d'un de mes anciens rédacteurs en chef, qui me félicite parce que je le cite, mais enfin non, je vais pas le citer parce que je m'en souviens plus exactement. Donc, grosso modo, il me dit que, lui, ça lui a fait prendre conscience de l'humain et de ses coulisses. Enfin, parce que quand on est correspondant à l'étranger, on est souvent isolé. On est en contact avec les rédactions via téléphone ou encore pire par mail. C'est quand même sacrément désincarné. Et oui, et il m'a fait cette très belle réflexion. Et là, je me suis dit, vraiment, il a tout compris en me disant que, grosso modo, toujours, que c'était que ce podcast pouvait être un outil formidable pour l'éducation aux médias. Et en tout cas, moi, j'ai voulu le faire comme ça. Voilà. Je voulais que ça soit utile pour le public. J'espère que ça le sera. Merci beaucoup. Je suis sûr que ça le sera. Voilà, deux grandes séries à déguster sur Arte Radio cet été, en même temps que tous nos podcasts habituels. Un podcast à soi qui a repris et qui revient dans quelques semaines. Vivons heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel, Bookmaker de Richard Guettet. On va savourer des gros épisodes avec Alain Damasio, donc on aura besoin de l'été pour écouter tout ça. Quant à nous, on se retrouve début septembre à la Maison de la Poésie sur les réseaux. Merci énormément à vous d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt.